الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ أخدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une autre fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir parachevé sa grâce sur nous. Aujourd'hui, nous allons parler du but recherché dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que l'invocation d'Allah garantit l'accès dans la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, il est important de comprendre que l'invocateur d'Allah, il est un individu qui compose la société. On pourrait ainsi dire que l'invocation d'Allah a trois grands objectifs. Premièrement, comment l'invocation façonne l'individu. Et deuxièmement, comment l'invocation façonne la société. Et finalement, ce que l'invocation de Dieu garantit auprès d'Allah lui-même. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala garantit pour l'individu le fait de devenir un modèle. En ce sens que dans le cœur de l'être humain, il y a plusieurs états. Il y a des états bestiaux. Il y a des états d'animalité. Il y a des états sataniques. Il y a des états égoïstes. Mais également, il y a des états angéliques. Et finalement, il y a des états divins. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala purifie le cœur de tout état néfaste, tel que les états égoïstes. Parce qu'il y a des personnes dans cette vie-là qui pensent que le bonheur ne revient qu'à leur petite personne et que les autres doivent souffrir dans le malheur. Ils sont égoïstes. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala purifie le cœur de ce type de pensée. L'invocation d'Allah purifie le cœur des états d'animalité. Il y a des personnes qui pensent que dans la vie, il ne suffira seulement que de boire, manger et s'accoupler pour vivre dans le bonheur. Alors ces personnes en sont comme des animaux. Inhum illa kel an'am balhum adal. L'invocation de Dieu viendra purifier le cœur de ces personnes-là, de ces états néfastes-là. Il y a des personnes également qui sont plongées dans des états sataniques. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra et purifier leur cœur de ces états-là. Car ces personnes-là, quand elles sont en colère, elles peuvent brûler la terre tout entière parce que leur état satanique étant très 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 fort en eux ou en elles. Alors donc, l'invocation d'Allah viendra appuyer et renforcer leur état angélique, qui est un état intermédiaire pour pénétrer l'état divin. Et finalement, ces personnes vont finir dans un état qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un état divin. Et les prophètes qui nous ont précédés ont vécu dans ces états-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qui nous disait dans le Coran, c'est Dieu même qui le dit, Innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent allégeance, en réalité, c'est à Dieu lui-même qu'il prête allégeance. La main de Dieu se tient dans leurs mains. Et c'est ainsi que le prophète Isa alayhi salatu wassalam disait que le Père et moi, nous sommes un. Dès l'instant que l'être humain est élevé à ses dimensions spirituelles, la personne se fond en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces états qui sont recherchés. Alors donc, on voit que l'individu a purifié son cœur de toute bassesse et de toute corruption. Si ce genre d'individus sont nombreux dans la société, on verra une société qui s'éloignera de la corruption, de tout ce qui est bassesse, et finalement, la société va vivre un véritable bonheur. Et la troisième dimension, qui est le troisième objectif, c'est profiter du paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que Dieu dit Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Le paradis d'Éden dans lequel courent les ruisseaux
Et ce paradis est réservé pour ceux-là qui ont appliqué la purification sur eux. Alors donc, voilà quelques objectifs de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est indispensable pour avoir une société qui vit dans le bonheur, parce que cette société se serait façonnée avec toutes les valeurs morales et se serait éloignée de toute corruption. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.